Sport de nature et tourisme. Voilà, pour poursuivre un petit peu nos discussions, on espère que ça va susciter chez vous de nombreuses réactions et de faire un peu rentrer de l'interactivité entre nos amis qui sont présents ici, qui vont nous parler de leurs actions dans ce domaine. Je propose dans un premier temps d'écouter Olivier Guy. Olivier qui fait partie de la Fédération française d'athlétisme, hein, Olivier, et qui va nous parler de son projet, enfin pas au projet, quelque chose qui est déjà en place, hein, si je ne m'abuse, qui est en train de se mettre en place. Global Running Manager. Alors ça, c'est aussi dans les nouvelles pratiques. Hein, les clubs peuvent peut-être se faire du souci à quelques niveaux que ce soit, de cette notion de pratiquer le sport un petit peu hors club et d'emmener comme ça des gens à la pratique. Est-ce que c'est bien résumé ou pas? En tous les cas, je vous laisse la parole, Olivier, pour une rapide présentation de ce qui se passe en ce moment et dans le milieu du running et ailleurs, qui est d'ailleurs très à la mode, hein, cette manière de concevoir la pratique. Merci beaucoup. Alors, pour le PowerPoint, il va suivre ou comment on procède? Parce que j'avais envoyé une trame. Alors, je sais. Tu l'as vu? Celui-ci? Ouais. Il est en mode diapo ou pas? Ouais, il faut le mettre. Du coup. Bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler d'un nouvel outil. Enfin, ce n'est pas tout à fait un nouvel outil, puisque des parcours permanents de trail existent déjà. Il y a eu plusieurs initiatives sur le territoire français, évidemment. Et la Fédé se penche sérieusement sur le terrain, sur ce terrain-là, puisqu'on part du principe qu'un nouveau terrain de sport, c'est aussi un potentiel de nouveaux adhérents dans nos clubs et de nouvelles dynamiques de clubs. Le principe général, il est là. Alors, quelques simples rappels au niveau des chiffres de la dynamique du running. 26% des Français déclarent avoir pratiqué la course à pied dans les 12 derniers mois. 8 millions de façon régulière. Plus de 4 millions font au moins une course dans l'année. Et 66% des licenciés et 54% des non-licenciés, donc des licenciés qui courent, déclarent pratiquer le running 3 à 4 fois par semaine. Donc c'est un marché, entre guillemets, qui est extrêmement dynamique et qui est intéressant pour une fédération, puisque la fédération a la délégation course à pied en général, avec la partie trail, bien sûr. Alors, plus spécifiquement sur le trail, un petit rappel, le trail tel qu'il est défini est apparu à la fin des années 90. La première grande course qui a été mise en place, c'était en 1995, la course des Templiers, qui a fait un peu l'image de la discipline en France. Le marché est en pleine croissance en France et dans le monde. Alors, en France, on a une particularité, c'est qu'on a énormément de coureurs sur les courses parce que les courses acceptent beaucoup de monde. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis, le nombre de coureurs dans les courses sont un peu limités, ce qui fait qu'on ne se rend pas véritablement compte de l'engouement. En revanche, il y a beaucoup de pays qui sont en train de bouger fortement, et notamment en Asie, du côté du Japon, etc. Donc ça bouge véritablement. Les runners les plus investis sont désormais en quête de trail. On vient de recevoir une dernière étude avec quelques chiffres et on se rend compte que beaucoup, beaucoup de trailers déclarent que la première course qu'ils aimeraient faire, même s'ils sont coureurs sur route depuis très longtemps, c'est de participer à un trail. Ils ont ça en tête et beaucoup, beaucoup y viennent. De plus en plus d'adeptes, puisqu'on peut parler d'adeptes, parce qu'il y a des valeurs à travers le trail qui sont le fameux esprit trail, beaucoup en parlent, mais rapprochement avec la nature, la confrontation directe avec la nature. Beaucoup d'adeptes se lancent sur les chemins pour pratiquer en toute liberté. Et ces coureurs veulent bien pratiquer en toute liberté, mais ils veulent aussi des services et de la sécurité surtout. 40% des pratiquants attendent des collectivités qu'elles aménagent les espaces publics pour la pratique. Alors la pratique de la course à pied en général, et cette phrase elle vaut pour la partie trail et également sur les parcours urbains. Et ça, c'est le fruit d'une étude qui a été conduite par la Fédération en janvier 2016. Alors, quand je vous parlais de dynamique, je reviens sur cette diapo, je vous ai mis les photos de deux magazines, tout simplement parce que
Chaque année, chaque magazine sort l'agenda des courses annuelles. Et on voit bien que dans le Trail Endurance Book, il nous parle de 2500 trails. Et dans Esprit Trail, il nous parle de 3000 trails. Donc, c'est pas rien. Aujourd'hui, beaucoup de courses sur route, ou quelques courses sur route, ont abandonné la course sur route et sont plutôt partis sur des chemins. Il y a une demande, il y a un vrai besoin. Et le fait de laisser tomber le chrono pour aller se confronter d'une autre manière et de pratiquer autrement, c'est vraiment extrêmement dynamique. Alors, on a travaillé, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour accueillir ces trailers ? Il se trouve que beaucoup de collectivités ont pris l'initiative de créer des parcours de trail, des entreprises privées aussi. Il y en a au moins deux qui ont créé d'un côté des stations de trail et de l'autre une société Trace de Trail qui aide des collectivités à installer des parcours. Et on s'est dit que finalement, il fallait créer quelque chose pour qu'on ait une référence. Donc on a travaillé avec la FNOR à l'initiative, donc c'est assez exemplaire puisque c'est à l'initiative de collectivités, d'acteurs privés et de la fédération qu'un accord AFNOR a été créé qui porte sur la définition des parcours de trail, la conception de parcours, les niveaux de difficulté, les aménagements des équipements, le balisage, la surveillance et entretien, aspects juridiques, etc. Donc, pour la Fédération française, cet accord constitue l'élément de base de la labellisation fédérale pour les parcours permanents de trail. Donc, une fois qu'on a eu cet accord, on s'est dit, tiens, et si nous-mêmes, on partait dans une logique de créer des parcours labellisés Fédération française d'athlétisme ? Parce que ça amène vraiment un intérêt à la fois touristique, parce que c'est un peu le thème, touristique, sportif et dynamique. On peut même parler de sport santé, puisque ça amène des gens à la pratique sportive. Et ces parcours ne sont pas dédiés 100% ou exclusivement pour des coureurs. Ça peut être aussi tout à fait adapté pour la marche nordique et pour des promeneurs. Donc un parcours permanent de trail, là j'ai noté que c'est égal à un projet de développement territorial, parce que la mise en place d'un parcours, c'est vraiment un élément d'attractivité touristique, la création d'un nouvel équipement sportif, et ça on y tient parce que finalement les opportunités... Pour nous, fédération, c'est de se dire que dans des villages ou des petites villes où jamais il n'y aura une piste d'athlétisme, telle qu'on l'a définie au sens athlée avec une piste de 400 mètres, etc., ben, on peut penser à un terrain de sport de ce type-là qui peut amener des gens à la course à pied et créer une dynamique telle que des gamins peuvent aussi se mettre à l'athlétisme, voire au cross-country, etc. Donc ça a un intérêt qui joue à la fois sur la tranche d'âge qui pratique le trail et aussi sur la jeunesse. Et pour un territoire, ça a aussi un intérêt puisque ça permet de renforcer la dimension sport-nature du territoire puisqu'il y a, des terrains qui sont assez propices, mais aussi des régions parce que très souvent, on pense que le trail est lié à des parcours à fort dénivelé. Donc l'image un peu montagne, c'est clairement ce qui fait l'image du trail, mais le plus grand nombre de trailers se trouvent en Bretagne, parce qu'il y a énormément de gens qui courent là-bas et qui adorent courir, même sur des chemins de douaniers, en bord de mer, etc. Donc ce n'est pas exclusivement lié au dénivelé, et ça permet de faire découvrir un territoire d'une manière un peu dynamique. Donc l'espace permanent peut être utilisé comme un catalyseur de la dynamique et de l'attractivité du territoire. À la base, quand une collectivité raisonne sur la création d'un parcours permanent, il est indispensable qu'elle pense à la thématique sportive, touristique et économique, puisqu'autour d'un équipement comme celui-là, il peut se créer aussi une microéconomie entre de l'hôtellerie qui a compris les enjeux et la manière d'accueillir des pratiquants de courses en pleine nature, entre l'hôtellerie qui sait s'adapter aussi au budget des pratiquants, etc. Il y a une forme de microéconomie et de dynamique. Au-delà de ça, il y a la dynamique locale par le club qui va pouvoir lancer peut-être une nouvelle pratique qui n'était pas lancée jusque-là.
Alors, les avantages sont nombreux. Pour une collectivité territoriale, un parcours permanent, ça permet de faire la promotion du territoire, de valoriser un espace naturel autour d'une pratique en plein essor, de dynamiser son image en proposant une activité sportive attrayante et de contrôler le flux des coureurs, des marcheurs et des promeneurs pour éviter les pratiques irrespectueuses de l'environnement. Dès lors que des parcours sont bien identifiés, sont bien balisés, on peut penser que les gens vont plutôt suivre ces chemins plutôt que de partir dans tous les sens. Pour le public, ce genre d'outil, ça permet d'avoir un outil idéal pour l'entraînement ou la découverte de la pratique, de garantir des conditions de sécurité sur le parcours et de bénéficier de conseils et d'animation autour de cette discipline tout au long de l'année. Parce qu'on pense que dès lors qu'un parcours permanent de trail est installé, il faut aussi prévoir l'encadrement de la pratique et à travers les clubs. Alors nous, on a pensé à un concept qui s'appelle l'univers trail. Alors pourquoi une collectivité pourrait être intéressée par un parcours permanent univers trail ? Déjà, tout simplement pour être au cœur d'une pratique dynamique soutenue par la fédération. C'est pas rien qu'une pratique de cet ordre soit soutenue par une fédération. Pour créer la différence, puisque l'identification fédérale des parcours permanents permet de se différencier des autres territoires qui proposent une activité de trail. Donc beaucoup de collectivités ont déjà pris l'initiative de créer des parcours, alors avec leur propre identité, avec peut-être une entreprise privée, etc. Mais nous, on pense qu'on pourrait créer des univers trail partout en France, sur tout type de territoire, et l'unité... Et le fait qu'on va retrouver sur un même site internet, etc., tous les éléments de tous ces parcours va créer quelque chose, une véritable dynamique. Alors les bénéfices pour les créateurs, c'est la labellisation garantie aux pratiquants un niveau de service et de qualité qui permet de promouvoir la pratique et le territoire, de garantir les meilleures conditions de sécurité, d'offrir aux pratiquants de tout niveau des parcours balisés, j'ai bien dit de tout niveau, parce que ce n'est pas parce qu'il y a du dénivelé ou un peu de technique que c'est réservé à des gens de très très bon niveau, et ça permet de contrôler le flux. Donc quand on parle d'aménagement de parcours univers trail, ça veut dire quoi ? Donc, j'ai mis une petite traileuse en photo parce qu'en fait, dès lors qu'on installe un parcours comme ça, ce n'est pas une vision à court terme. On prépare aussi les générations suivantes. Donc, l'aménagement comprend l'ensemble des dispositifs destinés à accueillir les pratiquants, porter à leur connaissance l'existence des parcours permanents, indiquer aux pratiquants les caractéristiques techniques et thématiques des parcours, faciliter et rendre plus sûr les déplacements sur les parcours, etc. Vous l'avez là. Tout un tas de choses qui permettent à la fois de faire connaître l'équipement, de le rendre sûr et de le faire vivre en local et au niveau national via notre plateforme dédiée. Alors les engagements d'un porteur de projet univers trail, donc le projet doit impliquer une ou plusieurs structures déconcentrées de la fédération. Donc on entend structure déconcentrée par club, comité ou ligue, parce que notre objectif, c'est de créer véritablement des dynamiques sportives à travers cet équipement. Soit relancer ou créer des clubs, et ça a été le cas sur le premier univers trail qui a été créé à Buja, en Corrèze. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit village de 700 habitants qui a créé son parcours permanent univers trail. Ça a remis en route le club d'athlètes qui était en sommeil depuis quelques temps. 30 licenciés à ce jour. Et le président est en train de se former dans nos structures pour encadrer tout ce personnel-là. Et les gens qui viennent dans ce club, finalement, sont venus aussi avec leurs enfants. Ça a relancé l'école d'athlétisme. Donc c'est important pour nous que, en lien avec la labellisation univers trail, on ait un club, un comité ou une ligue. Donc l'équipement, ça c'est juste un petit peu technique, mais doit prévoir au moins 3 parcours pour une distance cumulée de 40 km minimum. Il faut, pour que les choses fonctionnent bien, on a déjà noté qu'il faut vraiment des correspondants locaux, des gens qui se parlent sur toutes les entités locales.
Et puis, il faut d'entrée prévoir à la suite, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de poser un parcours et d'attendre qu'ils vivent tout seuls, c'est qu'il faut aussi l'entretenir. Il y a une notion de maintenance, les choses bougent, le terrain peut bouger, des panneaux peuvent être arrachés, etc. Ça demande un petit peu de travail qu'il faut prévoir et anticiper. Et puis, le porteur du projet s'engage aussi à l'animer, à animer à travers les clubs locaux, évidemment, mais aussi à travers des micro-événements ou des événements de plus grande importance. Évidemment, la communication reste quelque chose de clé dans le dispositif. Donc comment, et j'en termine là-dessus, comment la FED peut venir en soutien ? Donc on a des outils de communication très puissants. Donc la première chose, c'est d'être en soutien en communication, ce qui donne tout de suite une envergure nationale au parcours. Même celui de Bujac qui est perdu au fin fond de la Corrèze, finalement, il sera référencé comme tous les autres. Il y a une garantie de qualité. La caution de la fédération est un gage de qualité pour les pratiquants. Le label n'est pas attribué définitivement. Donc on va surveiller ça, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges à respecter et en fonction de ça, soit le label sera de nouveau attribué ou soit, évidemment, il sera suspendu. Et pour terminer, la fédération est en capacité à prendre en charge la mise en place des parcours permanents, partiellement ou intégralement, en fonction des besoins exprimés par la collectivité. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à... Enfin, c'est monsieur qui va passer la parole. Si, écoutez, si vous voulez. Avec plaisir. Merci. Merci en tous les cas. Voilà, exemple typique du déploiement sur nos territoires de l'action d'une fédération au travers de ces, on va dire, pratiques qui n'existaient pas il y a encore quelques années, mais qui sont en train effectivement de monter. Et même, aspect très intéressant aussi, de pouvoir relancer sur le terrain des clubs qui, comme vous le dites, l'exemple de la Corrèze, étaient un petit peu en sommeil. Donc c'est une belle application de ce qui peut se passer. Avant de passer la parole à M. Rossignol, qui est maire de la Grande Motte, qui nous a rejoint, qui va nous faire partager évidemment son expérience, lui, sur sa commune, avec cet aspect de nature et de tourisme, est-ce que vous avez une question sur cet univers trail, peut-être à appliquer chez vous, dans vos villes, dans vos communes, ou sur l'organisation d'ailleurs, ou sur le soutien, l'encadrement de la fédération, parce qu'on a bien compris que c'était quand même très encadré, labellisé, on va dire. Il y a un cachet faisant foi en termes d'organisation. Vous avez quelque chose à, peut-être une question à poser ou pas, ou on enchaîne, et puis après on se retrouve autour des questions. Monsieur Rossignol, si vous voulez bien effectivement venir nous retrouver. Intéressant aussi d'avoir l'avis d'un maire de commune qui doit effectivement lui aussi faire preuve d'imagination, se réinventer géographiquement. Vous avez la mer à la Grande Motte, il faut trouver des choses, il faut trouver de l'attractivité. Je vous laisse dérouler un petit peu tout ce que vous nous proposez. Oui, bonsoir, mesdames, messieurs. Merci encore de cette nouvelle invitation. J'étais hier avec mon collègue maire de Montpellier et d'autres élus et responsables pour l'ouverture de Sportcol. Donc merci de cette invitation. En effet, la Grande Motte est une ville un peu particulière. D'abord, c'est une ville nouvelle, une ville jeune, puisqu'elle a été créée à 50 ans. Et je le disais hier, nous célébrons cette année le 50e anniversaire de sa création dans le cadre de la mission Racine qui avait été installée pour créer des nouvelles stations sur le littoral de l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc la Grande Motte est connue pour son architecture, bien sûr, une architecture assez exceptionnelle qui lui a valu d'être labellisée au patrimoine du XXe siècle, une architecture pyramidale. Elle est connue, ou moins connue peut-être, moins que par rapport à son architecture, pour être une ville verte, puisque 70% des espaces sont consacrés à des espaces verts, ce qui est assez exceptionnel pour une ville balnéaire. Et puis, c'est une ville aussi sportive. Alors, de la Grande Motte, on connaît surtout les activités bleues, les activités nautiques, puisque... Et c'est normal, nous avons été construits à partir de notre port. C'est notre architecte en chef qui a conçu de A à Z cette ville, Jean Balladur, a d'abord creusé le port, et c'est autour du port que se sont édifiées nos pyramides. Et la ville, en fait, dans sa conception, est totalement
consacré à la nature, puisqu'on peut la parcourir très facilement. Nous avons des kilomètres de voies vertes qui permettent à pied, à vélo, de parcourir la ville. Et pour des enfants, notamment des enfants scolarisés, ils peuvent quitter leur domicile et en toute sécurité rejoindre leurs établissements. Alors, cette ville verte aux activités bleues qui sont dominantes, puisque nous sommes aussi encerclés, d'une part par la mer Méditerranée et d'autre part par deux étangs, l'étang de l'Or, pas très loin d'ici, que l'on aperçoit en sortant de l'aréna, et aussi par l'étang artificiel, l'étang du Ponant, que nous partageons avec la station voisine du Gros du Roi. Donc ce qui favorise, bien entendu, les activités en pleine mer. Et nous avons la chance d'avoir un centre d'entraînement, le centre d'entraînement Méditerranée, qui est un centre de formation qui a obtenu le Pôle France, avec un stade nautique sur lequel l'équipe de France à la voile est venue s'entraîner pour préparer les Jeux Olympiques. Je salue mon collègue vice-président de la région Occitanie en charge des sports, qui vient d'arriver avec un élu également du département, Michael Delafosse. Donc nous avons la chance d'avoir ce centre d'entraînement qui prépare de nombreux skippers, d'accueillir de nombreuses manifestations nautiques, et avec le soutien bien entendu de la ville, mais aussi de la région et du département, ce centre aujourd'hui rayonne au niveau national, et nous, avec l'agglomération dont je suis le président, l'agglomération du Pays de l'Or, ça fait maintenant 2 ans que nous avons un équipage qui est présent au Tour de France à la voile avec un Diam 24. Donc activité nautique, mais pas que. On a deux spots de kitesurf. Je le disais, si les activités nautiques représentent les 2/3 des activités sportives, nous avons aussi, et dans sa conception, Jean Balladur n'a pas oublié les sports de pleine nature, avec en particulier un golf floridien, composé de 2 parcours de 18 trous. Et nous faisons en sorte aussi d'initier que ce sport qui peut paraître élitiste, bien de le donner en accessibilité. Je le disais au directeur adjoint de Mme Flessel hier, les scolaires peuvent pratiquer, s'initier au golf sur ces terrains. Nous avons aussi la Ligue régionale de tennis, ex-Languedoc-Roussillon, maintenant Occitanie, donc qui a installé son siège à la Grande Motte, le siège régional étant à Balma en Midi-Pyrénées, et le second siège étant à la Grande Motte, donc 40 courts de tennis qui permettent là aussi la pratique des activités de pleine nature. Alors justement, quand on dit la Grande Motte, effectivement, vous avez beaucoup de stations balnéaires, beaucoup de tourisme lié aux activités nautiques ou du moins à la plage. Nous passons de 10 000 à 100 000 oui, habitants. Voilà, c'est ça. Donc on vient à la Grande Motte aussi pour aller à la plage, pour profiter de la mer. Comment ça se passe dans votre tête? Est-ce que vous aimeriez renforcer l'attractivité en matière de tourisme sur les équipements sportifs? Comment vous travaillez là-dessus justement pour faire de la Grande Motte une ville où on vient, certes, pour la plage, mais aussi pour le sport? C'est un peu ça qui nous guide aussi. Alors, l'été justement, nous faisons en sorte de mettre nos équipements au service des touristes. Tout le monde n'aime pas bronzer. Dans un couple, il peut y avoir le mari ou la femme qui va passer la journée à la plage et puis l'autre qui souhaite pratiquer des activités. Soit aller découvrir notre belle région, soit à vélo peut-être, soit pratiquer des activités. Alors avec l'Office du tourisme et la ville, eh bien, nous organisons tous les jours, il y a des activités sur la plage, dans notre palais des sports, qui est ouvert l'été justement pour la pratique, la découverte de certaines activités, la gymnastique, le badminton, le beach tennis, qui sont des pratiques courantes, qui sont aussi offertes aux vacanciers. Lorsqu'on arrive à la Grande Motte, si on va à l'Office du tourisme, eh bien, vous allez avoir, entre guillemets, un catalogue d'activités que vous pouvez pratiquer pendant vos vacances à la Grande Motte. Quelle est la demande? Vous sentez, avec le recul, que les habitudes, on a vu dans les nouvelles activités proposées, notamment la Fédération française d'athlétisme, quelle est la demande des touristes, en l'occurrence, ou des gens, des locaux, sur ces nouvelles activités? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que maire? On veut plus de quoi? On veut plus de quoi, aujourd'hui, dans les villes, pour assouvir sa passion pour le sport, soit de compète, soit de loisir? On veut quoi, aujourd'hui? Alors, moi, je constate, dans ma ville, en tout cas, la baisse de l'attirance vers les sports collectifs.
Ah, voilà. Donc ça, c'est déjà une belle tendance qui se dessine. Oui, on le voit bien. Moi, j'ai un club de foot, il y en a même deux, un club de rugby, et l'école, on donne des subventions à ces clubs à condition qu'ils aient des écoles pour les enfants de la ville. Et on constate ces dernières années que les enfants qui pratiquent, qui sont inscrits à l'école de foot ou à l'école de rugby sont en diminution. Donc ce qui montre qu'en effet, aujourd'hui, on a une baisse de cette attirance vers les sports d'équipe. Par contre, c'est vrai que les activités nautiques, et mon adjointe au sport est ici présente, nous développons avec le collège de la Grande Motte des activités sur la voile, par exemple. Un partenariat qui nous permet, pour les classes de 6e, de s'initier à la voile. Donc là, ce n'est pas des sports collectifs. Enfin, ça peut l'être quand on est plusieurs sur un bateau. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on constate que le rugby et le foot, qui sont les sports les plus faciles à pratiquer quand on est enfant, suscitent moins d'attirance aujourd'hui. Alors, nous avons aussi, à la Grande Motte, souvent, on est ici dans un cadre où il y a une compétition de tennis. Notre club de tennis aussi forme beaucoup de jeunes. Notamment, il y a des stages pour les ramasseurs de balles, pour Laurent Garros, qui se déroulent à la Grande Motte. Les sélections se font en partie à la Grande Motte. Là aussi, on constate, d'une année sur l'autre, c'est assez fluctuant. Bon. Vous avez des questions à poser à Monsieur le maire, effectivement, sur la manière dont les villes ont, et en particulier les petites communes, parce que ce n'est pas une commune qui, en termes d'habitants, on va dire, est très moins conséquente. De 10 000 habitants permanents. Oui, voilà. Donc, une question peut-être sur sa manière aussi, lui, de voir le touriste. Comment ça s'organise, tout ça, autour de l'activité sportive ? Monsieur, je pense qu'on peut faire sans micro. Oui, Bruno Carvel, je suis l'agent territorial. Oui. Je voulais savoir, quelle est l'idée du coût, justement, de ces animations estivales ? C'est un certain coût, puisqu'on a été... Alors, je ne me souviens plus vraiment du coût. Je sais qu'on a été amené... pendant deux saisons à les suspendre, ces activités, parce qu'effectivement, vous le savez, si vous êtes agent territorial, vous savez les contraintes qui ont été celles des collectivités territoriales ces dernières années, avec la baisse des dotations de l'État, qui nous ont amenés à faire des choix. Donc, parmi ces choix, on n'a pas voulu baisser les aides aux associations, les subventions aux associations, mais on avait fait le choix, effectivement, avec l'Office du tourisme qui finançait en partie ces activités de plage, de les suspendre. On les rétablit, on les a remis au budget cette année, donc ça va reprendre. Bon, on les rétablit parce qu'il y a une forte demande. Et on a constaté que l'an dernier, notamment, les gens allaient à l'Office du tourisme. Alors, on avait maintenu les activités au Palais des Sports, parce que là, il n'y a pas... Le palais était équipé, mais il faut sur la plage avoir des moniteurs, avoir du personnel. Donc on avait constaté qu'il y avait un manque crucial de ces activités, une forte demande. Donc on les rétablit, mais c'est un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros, en effet. Autre question ? Peut-être non ? Oui, madame. Je vous donne le micro. Oui, alors je voulais juste savoir si à la Grande Motte, vous avez donc une relation de travail assez à dire, poussée en termes de sport et tourisme. Je voulais savoir si vous mettez, ou si vous avez mis, ou vous avez l'intention de mettre en place des outils ou des dispositifs d'évaluation, justement, pour essayer de chiffrer aussi l'impact que peuvent avoir ces activités sport et tourisme de retomber, que ce soit économique ou en termes d'image aussi, sur votre ville. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisagé ou qui a déjà Alors, été fait, nous, peut-être nous, je parle de ces activités-là, mais nous avons aussi la chance d'accueillir des manifestations d'importance. Le 4 et 5 mars prochain, nous allons accueillir la course des pyramides. C'est un semi-marathon, 5000 personnes pendant un week-end, sur deux jours. C'est indéniable qu'il y a des retombées importantes sur la ville. Pas en hébergement, mais surtout en termes de consommation. Donc il est clair que lorsqu'on accueille un événement de cet ordre-là, il y a automatiquement 5000 coureurs qui viennent pendant un week-end, ou plutôt sur le dimanche, mais il y a des accompagnateurs. On sait qu'un coureur ne vient pas seul, en général, il est accompagné. Donc les retombées au début du mois de mars, au moment où l'activité est à son plus bas niveau, sont importantes sur la ville. Donc
Ça a un coût pour la ville. C'est le Lions Club qui organise cette manifestation. Mais c'est un coût qu'en tout cas, qui est pour la ville compensé par les retombées économiques qu'il peut y avoir sur le commerce local, sur la connaissance de la ville, la journée qu'on a passée, qu'on va revenir passer. On va avoir cette année une compétition au mois de septembre qui est le Barfit, donc qui va se dérouler sur la plage. Là aussi, on attend plusieurs milliers de personnes. C'est vers la fin du mois de septembre. De la même manière, l'investissement est minime pour la ville, mais les retombées vont être importantes parce que là, c'est une manifestation à l'échelle nationale. Donc là, il va y avoir de l'hébergement. Donc il est clair que les compétitions sportives ont toujours, même si elles représentent un coût pour la ville, en tout cas pour l'économie locale, il y a des retombées importantes. Et c'est pour cela qu'on ne renonce pas à ce type d'activité et qu'on les suscite. On va souvent les chercher d'ailleurs. On est en compétition avec d'autres villes. Mais il est important pour la vie économique locale d'avoir ce type de manifestation et d'activité. Voilà donc pour ces principales retombées dont vous parliez. On va, c'est rapide ou pas ? Est-ce qu'on enchaîne ? Allez-y, monsieur. Oui, alors c'est vrai que ces dernières années, vous le savez certainement, hein, la réglementation s'est renforcée et il est de plus en plus difficile d'organiser des manifestations. Donc on vient de renouveler avec l'État les concessions de plages. Nous avons des plages, des établissements de plages en concession. Et l'État nous a exigé aujourd'hui pour pratiquer par exemple des sports de plage, le beach soccer, le beach volley, le beach tennis, d'avoir des zones qui soient consacrées sur des surfaces réservées. Alors pour ce type de manifestation, ça fait déjà des mois que nous travaillons avec les services de l'État, en effet, pour pouvoir obtenir les autorisations sur le week-end où va avoir lieu cette manifestation, pour baliser la plage. Alors là, il n'y a pas de problème de sécurité parce qu'il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de danger vis-à-vis de véhicules qui pourraient s'introduire sur la plage. Donc on n'est pas contraint, comme une course, un semi-marathon, où là, les mesures de sécurité deviennent phénoménales et prodigieuses, hein, et un coût de plus en plus important. Mais sur la plage, c'est la réglementation qui s'applique par rapport effectivement à la loi littorale. Et les contraintes sont de plus en plus importantes. Ce qui me fait dire que, au vu de l'augmentation de ces contraintes, ça va être de plus en plus difficile d'organiser des manifestations d'envergure. Parce que une ville comme la Grande Motte a la chance d'avoir des services importants, mais certainement une commune de plus faible importance aurait des difficultés pour pouvoir le faire. Mais vous avez raison, il faut s'y prendre, on s'y est pris déjà depuis... cet automne, hein, depuis le mois de septembre, pour une manifestation qui aura lieu en septembre de cette année. Donc, c'est quasiment une année de formalité à accomplir avec les services de l'État. Et d'anticipation, effectivement, pour vous, pour recueillir les autorisations nécessaires. Il est clair que si aujourd'hui, quelqu'un venait nous demander « je veux faire une manifestation », on leur dira « pour l'année, c'est impossible ». C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a tout ce délai de latence, effectivement, à prévoir. Merci beaucoup, Monsieur Rossignol. On va enchaîner avec Francis Gaillard, qui va nous donner son avis responsable ressources du pôle sport et nature au ministère des Sports. C'est exact. Voilà. Aussi ce que l'on accueille sur cette table ronde. Je pense que c'est ça. Et vous pourrez d'ailleurs après alimenter avec vos questions. Très bien. Et demander les questions effectivement à Francis et en poser également à M. Rossignol et à tous nos intervenants. Bien. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes en l'occurrence également. Donc sport, nature et tourisme, quelques diapos pour introduire le sujet. La représentation à laquelle on est habitué hein, jusqu'à présent sont plutôt des pratiques rurales, littorales, montagnardes, enfin une vision dans sport et nature avec cette dimension nature qui prend toute sa place. En fait, force est de reconnaître qu'aujourd'hui nous éclairons les partenaires sur des pratiques qui sont omniprésentes sur le territoire. Alors elles sont sur l'ensemble du territoire, d'une part, parce qu'il y a une compétence particulière. Je ne vais pas faire un cours de droit du sport, mais les activités sportives sont cadrées dans le cadre d'un code, comme il y en a un pour la route, pour la forêt, pour tout un tas de sujets. Et dans le code du sport, en fait, il y a une exception. C'est-à-dire qu'il s'avère qu'au cas particulier des sports de nature,
localement, c'est le conseil départemental qui est compétent pour le développement maîtrisé des sports de nature. Donc on était déjà habitué à avoir une présence sur l'ensemble du territoire d'un point de vue administratif. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, tous les EPCI s'avèrent concernés. Alors, bien entendu, on pense spontanément aux intercos, puisqu'il y a une vraie logique de territoire en termes de bassin de vie, de proximité. C'est la bonne échelle, entre guillemets, pour les boucles de randonnée. Enfin, bon, on peut trouver tout un tas d'exemples sur les intercos. Mais, bien entendu, les métropoles aussi se trouvent concernées. Alors, derrière, j'indique juste situation en regard des 80-20. 80, c'est peut-être pas complètement exact, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que 80% de la population habite sur des zones sous influence urbaine. Force est de constater que quand on voit le nombre de pratiquants, quand on voit l'intérêt sur les sports de nature, on peut pas ignorer que ça va se passer aussi en métropole. Donc c'est quelque chose qui émerge, cette omniprésence sur le territoire, tout état de cause, qui émerge, c'est notre intention d'accompagner l'ensemble des opérateurs sur ce champ. Donc pour parler de sport de nature, pour être clair, on ne rentre pas trop dans le code du sport, donc L311-1, si jamais vous voulez aller voir une définition précise, c'est toujours un débat, hein, parce que j'ai entendu tout à l'heure monsieur le maire qui disait le golf. Bon, dans le code du sport, le golf ne relève pas des sports de nature, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas être sur une vision aussi cloisonnée. Donc bien entendu, il faut s'entendre sur les effets, les convergences, les intérêts partagés, etc. Donc on ne souhaite pas s'en tenir à la stricte définition du code du sport. Alors quand on veut observer ce que recouvrent les sports de nature, et pour pouvoir intégrer justement ces petites différences, on a mené une enquête avec l'Union Sport et Cycle et avec l'Université de Lyon donc on a lancé un baromètre des sports et loisirs. Donc on est sorti des définitions exactes, on a fait sport et loisirs de nature. Baromètre lancé en 2016 qui nous permet d'avancer et qui a un certain nombre de chiffres sur la cible des 15-70 ans. Je ferai le lien avec le tourisme. C'est histoire d'introduire le sujet sur les sports de nature, comme c'est dans le titre. De quoi parle-t-on? Donc à peu près, c'est 34,5 millions. Hein, j'ai arrondi à 35 millions, faisons simple. 35 millions de Français qui déclarent avoir pratiqué au moins une fois dans l'année. Et ceci étant dit, j'illustre avec deux éléments supplémentaires. Les volumes d'activité liés à ces pratiques. Dans ce sondage, qui est assez copieux, qui a été réalisé sur 4000 répondants représentatifs de la population française, il déclare 2,7 milliards séances de sport de nature par an. C'est juste 13 fois plus que le nombre d'entrées payantes au cinéma. Donc, l'idée, ce n'est pas de demander une niche fiscale pour les sports de nature, ce n'est pas l'objet, parce que je crois qu'il y en a quand même une petite sur le cinéma. Et l'idée, c'est de faire prendre en compte le fait que quand on traite des sports de nature, il peut y avoir un côté furtif. Parce que bien entendu, et ce que disait Olivier Guy tout à l'heure, il y a une demande et le pratiquant veut aller courir dans la nature. C'est super légitime, nous on l'accompagne à fond. Mais à un moment, c'est combien ça pèse? Et j'entends la question du vice-président du conseil départemental sur le poids que ça pèse. J'entends la question sur les conditions d'organisation. J'entends la question sur combien ça coûte. Mais il est clair que même si c'est furtif, même s'il y a des difficultés, en matière de volume d'activité, c'est 13 fois les entrées payantes au cinéma. Je m'arrête là-dessus. Mais à un moment ou à un autre, il faut bien se dire qu'est-ce qu'on dimensionne comme prise en compte du sujet sport nature en regard des aspirations de la société. Deuxième image que vous avez sous les yeux sur les principales motivations. Ça interpelle directement la façon dont sont mises en œuvre les activités sportives en France. La principale motivation de nos répondants, c'est la détente. C'est le fait de changer les idées. La deuxième intention, c'est le contact avec la nature et les paysages. Nous, ça nous va bien, très bien comme réponse. Et la troisième motivation de la pratique sportive de nature, c'est le critère santé. Donc ce qui veut dire qu'à un moment, quand on se pose la question de l'offre par la collectivité, de l'attractivité touristique, ce sont des éléments à prendre en compte, qui sont récents, qui confirment, on va dire, un certain nombre d'observations qui avaient été faites précédemment, qu'on entend bien renouveler à période régulière de façon à les actualiser, voir s'il y a évolution, inflation ou pas. Mais
à travers ça, on peut commencer à répondre à la question, sport, nature et tourisme, sur quel levier est-ce qu'on peut jouer vis-à-vis de nos publics. Nous sommes dans un parcours, entre guillemets, qui faisait référence aux équipements. Je reviens sur la diapo précédente. On a une pratique historique qui est plutôt en milieu naturel ou aménagé. Donc nous, dans notre jargon, ça va être les espaces, les sites et itinéraires. Si je le précise, c'est parce qu'il y a un outil légal qui permet aux opérateurs de s'entendre, de concilier les usages, de s'interroger. C'est la commission départementale des espaces et itinéraires et puis son organe, le plan. Donc, derrière les pratiques, qu'elles soient historiques ou qu'elles soient modernes, hein, d'ailleurs, il y a une première question, c'est celle de la conciliation des usages. Il y a une deuxième question, c'est celle de la responsabilité des opérateurs. Et en particulier, quand vous ouvrez des espaces, ils sont partagés. Le pratiquant ne sait pas chez qui il est, c'est évident. Vous allez courir, vous ne savez pas chez qui vous êtes. Vous allez faire du vélo, vous ne savez pas chez qui vous êtes. La question de la responsabilité des opérateurs, qu'il s'agisse du fournisseur du circuit, du propriétaire terrien, de celui qui a fait ou non l'entretien des parcours, etc., se pose. Donc, derrière les sports de nature, je ne dis pas ça pour plomber l'ambiance, derrière les sports de nature, il y a un intérêt évident à concilier les usages et à faire que les cyclistes, les coureurs à pied, les équitants, les pêcheurs, les chasseurs, les familles qui poussent des poussettes, tout ça, puissent se croiser sereinement, ou en tout cas qu'ils se connaissent, qu'il y ait une bonne organisation. Mais derrière, il faut aussi traiter la question de la responsabilité de ceux qui promeuvent ces activités. Et puis, en regard, il y a une pratique croissante sur des équipements artificiels ou urbains, ou les deux, pour des raisons d'espace disponible, bien entendu. Ça se traduit par un élargissement de la cible de la pratique des sports de nature. On casse un peu le code du « je vais pratiquer les sports de nature dans la nature ». Non, je vais pratiquer des sports de nature dans une SAE. Je vais pratiquer les sports de nature dans un parc, en ville, puisque ça renvoie directement à l'organisation de la population française à l'instant T. Ça crée un sentiment ou une nécessité de rupture de l'offre pour répondre à ces aspirations croissantes en ville. Et puis, par contre, il y a une vraie opportunité pour la continuité du plus grand nombre, parce que j'entends bien que il y a des activités événementielles, il y a des activités de vacances. Comment est-ce que l'on fait pour que, puisque on voit l'intérêt pour la santé, on voit l'intérêt pour le bien-être. Ça a été évoqué ce matin, un coût évident. Non, c'est en début d'après-midi, c'était Virgile ici. Il y a un coût évident de l'inactivité. Comment est-ce qu'on fait pour que cette option de la pratique des sports de nature en milieu urbain contribue à une pratique du plus grand nombre et donc une diminution du coût de l'inactivité. Alors, sport, environnement, tourisme. Les sports de nature, si vraiment je veux schématiser, on pratique un sport, c'est évident. On pratique dans un environnement particulier, plutôt, alors, même si j'ai cité la SAE tout à l'heure, l'aspiration ultime, c'est quand même un moment d'être dans la nature, de préférence, il faut qu'elle soit belle. S'il n'y a pas de bruit et qu'on est plutôt seul, c'est encore mieux. Si on est loin des autres, c'est pas mal. À première vue, là, vous êtes dans un espace protégé, donc il y a un peu de réglementation. Et notre triptyque donc, sur les sports de nature, c'est sport, environnement, dont on vient de parler, et puis tourisme, parce qu'on ne peut pas ignorer que la définition du touriste, c'est-à-dire que c'est vous dormez en dehors de votre résidence, mais c'est l'occasion du déplacement, des vacances, etc., du week-end, rentre dans cette dimension touristique. Donc, il faut répondre à cette attractivité. Un tiers des pratiquants du vélo, c'est l'avant-dernière. Si non, mais je... Pour dire qu'il faut que j'aille vite, ouais, pas de problème. Un tiers des pratiquants du VTT indiquent choisir leur destination de vacances en face de l'intérêt pour la pratique. C'est-à-dire que le lieu de vacances sera, dans un tiers des cas, déterminé par la volonté de pratique du VTT. Je prends l'exemple du VTT, on peut répondre sur l'escalade, on peut répondre sur le ski, bien entendu, etc. Et puis, un autre aspect à prendre en compte en termes de tendance, c'est la multipratique. Globalement, sur notre baromètre, on a d'autres chiffres, bien entendu, disponibles sur le marché, mais sur le baromètre, il y a une déclaration de 3,2. C'est une moyenne. Il y a 3,2 pratiques déclarées par an et par individu. Donc, il n'y a pas un pratiquant historique de la course à pied qui va tout le temps rester à la course à pied, ou du vélo,
ou du, je ne sais pas, course à pied, en référence à la première intervention, mais c'est, nous sommes dans une multipratique. Donc en termes d'offres locales, en termes d'organisation, il faut prendre cela en compte, y compris dans l'organisation des clubs. C'est-à-dire qu'un club nécessairement affilié à une seule fédération, Unisport, à première vue, est en difficulté pour répondre à cette attente, le club n'étant pas le seul opérateur. La conséquence directe d'un point de vue de la mise en activité, c'est un encadrement qualifié que l'on estime aujourd'hui à 50 000 éducateurs sportifs dédiés à l'encadrement des sports nature, et puis une pluralité d'opérateurs qui arrivent sur le marché. C'est-à-dire que quand la question se pose actuellement de rénover l'organisation du sport en France sur les sports nature, c'est une réalité, j'allais dire historique. Oui, bien sûr, il y a un secteur non marchand, il y a un secteur marchand. Les collectivités prennent toute leur place, y compris dans les initiatives d'aménagement, de conventionnement sur des sites. Et quand on citait tout à l'heure la compétence du conseil départemental et la CDESI qui va avec, typiquement, on est dans ce cas de figure, on a un réseau d'opérateurs qui est assez large. Conséquence de quoi ? Je reviens en arrière. Conséquence de quoi ? Faut y aller. Hein. Pôle ressources nationales des sports de nature. À ce moment-là, quel est notre rôle ? Notre premier rôle, c'est de décloisonner l'ensemble de ces opérateurs et de faire qu'ils travaillent ensemble. Créé il y a une quinzaine d'années, c'était une forme, on va dire, d'innovation publique qui vaut encore actuellement. Et notre intérêt, c'est bien de faire qu'on ne fonctionne pas en silo, mais que les interlocuteurs se connaissent localement à l'échelon du département, mais voire en dessous, voire au niveau de la région, mais qu'il y ait des économies d'échelle à faire si c'est nécessaire. En tout cas, qu'il y ait convergence des politiques. Ça se traduit par une ouverture de plus en plus grande de notre réseau aux EPCI, on l'a cité rapidement tout à l'heure, et entre guillemets, si on veut parler mots-clés, on traite de développement territorial, et quand je dis on traite, c'est on traite avec les opérateurs hein, qui travaillent avec nous, de développement territorial, de visée éducative, puisque quand on parle de nature en termes d'apprentissage, en termes de connaissances, on dépasse l'activité sportive, on est au contact avec la nature. On organise pour cela un observatoire, et puis bien entendu, on a une vision européenne de façon à importer ou à exporter les savoir-faire. Pour qu'il y ait des sports de nature, je vous rappelle juste un tout petit détail avant de passer à la dernière diapo, c'est qu'il n'y a sport de nature que s'il y a un lieu de pratique. Donc, en tout état de cause, quoi qu'on veuille faire, là, il y a une particularité, c'est comme on n'est pas sur des sites dédiés, ou très rarement sur des sites dédiés, il faut qu'on puisse protéger l'accès à ces sites de pratique. Si vous voulez accéder à un sentier, il faut que vous projetiez le fait que dans 10 ans, dans 20 ans, ce sentier existe encore. Qu'il n'ait pas été rogné par la mer, c'est une chose, mais qu'en tout cas, on ait pu le protéger, que le propriétaire soit d'accord, que l'ensemble des opérateurs s'entendent pour la façon dont on l'utilise. Pour finir, parce que c'est applicable à la pratique quotidienne, mais c'est bien entendu applicable à la pratique touristique, c'est bien de traiter le confort des pratiquants qu'on connaît. Et je pense qu'il ne faut pas ignorer qu'il y a à peu près un tiers ou un quart des Français qui ne pratiquent jamais une activité. Et là, on peut se poser la question de sport, nature et tourisme. À quel moment est-ce qu'on va pouvoir décoincer cette situation et faire que votre offre touristique corresponde à une pratique nouvelle ? Bon, le premier item, c'est le coût, on passe. Le deuxième, c'est je n'aime pas, ok, on passe. Par contre, après, on va pouvoir commencer à travailler. Les lieux de pratique sont trop loin, avec la densité des espaces sur lesquels on peut pratiquer, y compris en ville. Est-ce que cette réponse, elle est acceptable ? À mon avis, elle n'est pas acceptable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la perception qu'a le pratiquant potentiel de ce qu'il peut faire est fausse. Imaginez que vous, dans la salle, il y en a un tiers là qui disent « c'est pas possible de faire du sport à côté de chez moi ». Ça me surprend en tout cas dans la présentation qu'il peut y avoir. Je passe sur « j'ai d'autres activités ». Je ne connais personne avec qui pratiquer et les activités proposées sont inadaptées à mon niveau. Après, je m'arrête. Très clairement, ça interpelle sur la façon dont est proposée l'offre ou dont elle est perçue. Vous connaissez la différence entre ce que vous pensez envoyer comme message et puis la façon dont il est réceptionné par votre interlocuteur. On est typiquement là-dedans. Si on veut s'appliquer la question de quelle offre touristique pour un public, attention à bien s'assurer qu'ils prennent connaissance de la richesse des potentiels de pratique chez vous et qu'ils se posent la question de savoir comment est-ce qu'il va s'intégrer dans un groupe, dans un stage, qu'il trouve sa place. Or là, moi, je vous alerte sur le fait que, à première vue, il nous reste, j'ai bien dit, il nous reste à faire un certain nombre d'efforts pour éviter ces réponses
qui nous mettent un petit peu en difficulté la qualité de l'offre qui pourtant est recherchée par l'ensemble des opérateurs. Voilà, je vous remercie, je reste à disposition bien sûr, et au-delà de cet échange aujourd'hui, sportdenature.gouv.fr, on a des relais dans les services jeunesse et sport, mais également dans les conseils départementaux, sur tout le territoire, il y en a même dans la salle. Donc n'hésitez pas à utiliser nos services de façon à ce qu'on améliore la qualité de l'offre. Merci beaucoup à Francis. Olivier, c'est à vous. On viendra après. J'ai utilisé tout mon temps de parole, mais c'est bon. Le temps de parole est utilisé. On y va avec Olivier, prof d'université, notre palois, les Pyrénées-Atlantiques, à l'honneur. On a peu de représentants de cette région hein, pendant ces 3 jours. On y va, Olivier. Merci bien. Donc, moi, je suis un pratiquant, mais aussi un chercheur et un expert des sports de nature dans la perspective du développement touristique des territoires. Ce qui m'intéresse, c'est comment un territoire qui a des ressources naturelles, culturelles, publiques, économiques, va essayer de promouvoir ces sports-là, non pas uniquement dans une optique de pratique divertissante ou ressourçante, mais vraiment comme vecteur et comme outil de développement touristique et donc de développement territorial plus global. Alors j'avais 2 solutions où je faisais une approche très théorique des grandes tendances, et des grandes questions, des grands paradoxes qu'on peut, je dirais, observer sur ce champ-là, parce que c'est un champ qui est relativement nouveau et qui fait l'objet de beaucoup de questionnements, beaucoup de productions, beaucoup de colloques, beaucoup de discussions, où je vous prenais un cas concret. Donc je me suis dit là, je vais partir sur un cas concret et comment on a essayé, à travers une étude qu'on a menée pendant 3 ans sur une petite vallée que peu de monde, je pense, connaissent ici, qui est la vallée d'Aspe, qui est une vallée des Pyrénées béarnaises dans le prolongement de Pau en allant vers l'Espagne. On a 3 vallées, Ossau, Barretous et Aspe. C'est un territoire qui est en déclin et qui a des belles ressources, notamment des ressources naturelles et patrimoniales. Et comment, finalement, en innovant sur un concept qui est le concept de station sport de nature, on a pu générer... On pensait pouvoir générer du développement touristique, sachant que pour l'instant, le concept, il est dans un tiroir de la communauté de communes. Il n'a pas encore été mis en œuvre, ce qui est bien dommage. Mais en tout cas, il paraissait assez fertile et fécond. En tout cas, il était très consensuel, puisque tous les acteurs l'avaient approuvé après 3 ans d'études. Je ne sais pas comment on fait avancer ça, moi. Comme ça. Voilà. Donc, penser aujourd'hui le rôle des sports de nature dans le développement touristique des territoires, c'est déjà l'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler la transition touristique, c'est-à-dire une nouvelle offre et une nouvelle demande qui se télescope avec, pour chaque territoire, une équation d'attractivité à augmenter et de durabilité à conserver, ce qui n'est pas rien, parce que quand on aménage trop souvent, on peut nuire à la durabilité. La démarche d'innovation touristique, c'est-à-dire que comment on va innover en termes de services, mais aussi en termes d'innovation territoriale à travers une gouvernance partenariale et l'inscription dans un tourisme durable, qui me semble être très importante. Donc voilà, ça c'est 3 grandes démarches qui s'inscrivent dans la toile de fond qui était la nôtre. On est dans une vallée montagnarde, donc il faut toujours essayer de faire un diagnostic avant de proposer une stratégie d'action et après un équipement, puisqu'on est sur l'équipement. Donc le contexte macro-montagnard, vous le connaissez aussi bien que moi, on est sur une crise des territoires, une baisse de la fréquentation et notamment une attractivité des territoires de moyenne montagne qui est aujourd'hui particulièrement menacée, la Cour des comptes l'a pointé. La moyenne montagne aujourd'hui est en une période de transition. Il faut repenser le modèle de développement à la fois économique, environnemental, socioculturel, sortir de la station, juste la station pensée comme unité spatiale très limitée, mais pensée à l'échelle d'un territoire. Je vais y revenir, c'est un vrai, vrai enjeu. Donc comment l'innovation peut être une réponse au développement touristique d'un territoire en transition? Je pense que ça, c'est la question que beaucoup de monde se pose aujourd'hui. Donc je vais essayer d'y répondre à travers l'exemple que j'ai choisi, mais on pourra en débattre après, parce que je crois que c'est très questionnant et aussi très stimulant, du coup. Je vous passe le cadre théorique, ça fait un peu trop chercheur, ainsi que la méthodologie, pour vous présenter le territoire sur lequel nous avons travaillé. Donc, en vert, c'est le département du 64, avec le Béarn à droite et le Pays Basque à gauche. Et dans le Béarn, on a les 3 vallées dont je vous parlais. La vallée verte, celle qui est en rose, qui est transfrontalière avec l'Espagne et le fameux col et tunnel du Somport qui avait fait couler d'encre. Beaucoup d'encre à une époque. Rapidement, le diagnostic
avant de proposer quoi que ce soit, il faut partir de, quand on veut travailler sur qu'est-ce que peuvent amener les sports de nature sur un territoire, déjà être bien au clair sur ce qu'est ce territoire. Je ne vais pas le développer, je pourrais y revenir, mais on est sur un territoire de montagne en grande difficulté avec de la déprise économique, avec du déclin démographique, avec une culture qui est aujourd'hui menacée. On est sur une offre touristique insuffisamment attractive, c'est clair, à tous les niveaux, aussi bien en termes de prestation de services, d'équipement et d'animation. Et du coup, on est sur une demande touristique en régression. Donc quand on a ces trois constats-là, qui sont lourds, massifs, avec des indicateurs convergents, on doit se retrousser les manches pour agir. Donc voilà, ça c'est un petit peu le détail, je pourrais y revenir après sur chacun des critères. Donc je passe, ça me permet d'aller un peu plus en profondeur sur le concept. Donc aujourd'hui, travailler sur l'innovation touristique, c'est absolument nécessaire, c'est une ardente obligation, c'est quelque part innover ou disparaître dans une perspective de développement durable. Et les formes d'innovation qu'on peut repérer, on va les voir sur les concepts en termes d'aménagement, d'équipement, en termes de gouvernance, comment on met en synergie les acteurs, ça a été dit, on ne peut pas travailler seul, il faut décloisonner, il faut travailler dans la transversalité, et comment après on peut effectivement aussi communiquer pour augmenter l'attractivité et faire venir du monde. Donc l'exemple que je vais vous traiter, c'est une réflexion sur un concept de station, pas de station de ski ou de station balnéaire, mais plutôt sur un concept de station qui va être un outil innovant de structuration durable et de valorisation d'un territoire à l'échelle d'une vallée. C'est vraiment l'idée de mailler, de structurer un territoire à travers vraiment une innovation qui s'inscrit dans cette démarche. On verra les limites, bien entendu. Donc, le concept de station sport de nature, il s'inscrit dans un projet de territoire. On passe de l'idée d'un territoire de ressources à un territoire de projet. Tout le monde fait le constat. Dans le 64, on est béni des dieux, on a toutes les ressources qu'on peut imaginer. En Vallée d'Aspe, ils en avaient aussi beaucoup, mais il se passait rien. Donc comment vraiment on construit un projet de territoire et comment on essaie d'innover sur la notion d'innovation territoriale. Comment on construit une stratégie de développement touristique à travers cette station, à travers l'équation attractivité-durabilité dont je vous parlais en introduction. Et comment, du coup, cette réflexion qui n'est pas en top-down, mais en bottom-up, c'est-à-dire dans la transversalité, on fait réfléchir tous les acteurs à la base et on met en œuvre une gouvernance partenariale, on décloisonne et tout le monde se retrousse les manches et travaille dans le même sens pour sortir par le haut. Ça, c'est très important. Donc, le concept tel qu'on a pu le travailler, c'est donc sur une vallée, un cœur de station, qui serait le village qui paraîtrait avoir les atouts les plus structurants pour accueillir vraiment le cœur, parce qu'il est accessible, parce qu'il présente la diversité des ressources, parce qu'il y a une dynamique des acteurs et des prestataires de sport de nature qui est importante. On peut imaginer donc encore deux stations, une maison du tourisme et des sports de nature qui serait l'accueil, qui centraliserait tous les services informatiques, la communication, et qui après dispatcherait sur, donc ce serait une porte d'entrée, qui dispatcherait après sur l'ensemble des pôles relais qui seraient dispersés comme ça sur le territoire, dans la vallée, avec, on va le voir, un bouquet d'activités, une spécialisation et une hybridation entre sport, nature, le patrimoine culturel qui est de plus en plus imbriqué à la dimension sportive, et aussi l'environnement en tant qu'immersion, expérience forte. Donc, et donc les pôles seraient interconnectés les uns avec les autres par un réseau de sentiers. Donc si on schématise ça sur... Donc là, vous avez la représentation graphique de la vallée d'Aspe telle qu'elle existe. Donc un cœur de pôle vitrine sur Acouz, qui est le petit village en cœur de vallée, qui présente toutes les caractéristiques que je vous ai citées, qu'on voit là donc au milieu. Et après, on a construit 7 pôles relais. Alors, on ne les a pas dégrétés. Ce n'est pas nous, les experts, chercheurs, qui ont dit, voilà, ici, on fait ça, ici, on fait ça, ici, on fait ça, ici, on fait ça. Non, on est parti de territoires qui étaient, des micro-territoires qui étaient déjà identifiés comme étant des pôles qui avaient du potentiel. Et on a travaillé avec les acteurs à la base. C'est quoi votre identité à vous? C'est quoi votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous pouvez amener qui va être attractif et qui va être complémentaire? Donc on a créé un pôle univers pastoral,
sur le village de Lourdios, un pôle univers patrimoine sur la zone de Sarance, un univers village sur Adius, un univers montagne en lien avec le pyrénéisme, le cirque de Lascum, pour ceux qui connaissent, c'est lui dans sa berre, un univers ours hein, avec Edsot Bors, un univers Portalais avec le fort historique du Portalais et un univers parc national sur le Somport. Et ces univers, ils ont vraiment été travaillés pendant plus de 2 ans sur comment on peut tirer parti de la spécificité des ressources de ce territoire-là pour en faire des vitrines attractives pour faire venir plus de monde dans la vallée. Parce que le problème, il est là, c'est comment j'ai une ressource, je constate que j'ai de la ressource, comment je fais pour transformer cette ressource naturelle en une ressource territoriale qui va permettre de rendre le territoire plus attractif. Donc, les limites, j'étais assez rapide, hein. Limites, ah bon, c'est une difficulté à faire partager par tous les acteurs ces idées-là, même si donc ça a pris du temps, mais on y est presque arrivé. Il y a toujours des acteurs qui sont avant-gardistes, hein, d'autres qui sont un peu plus résistants, mais voilà, c'est tout le problème du développement territorial. Donc, le projet de territoire durable, le développement touristique basé sur l'innovation et le projet de station sport de nature. Voilà ce qu'on a réussi quand même à faire partager au bout de 2 ans, en conclusion. C'est que la station sport de nature, telle qu'on l'a pensée aujourd'hui, eh bien, on pense que c'est un outil innovant au service du développement durable d'un territoire. On a un outil qui peut être vraiment structurant et qui peut amener, grâce au maillage, à la complémentarité des sites, à l'interaction entre les différents acteurs, vraiment du développement touristique. C'est parti d'une démarche terrain qui est portée par les acteurs locaux en prise avec leur territoire, qui travaillent sur ce territoire et qui aujourd'hui sont obligés d'aller travailler en Espagne ou dans les Alpes parce qu'il n'y a pas assez de travail sur leur territoire alors qu'ils ont la ressource hein, pour faire émerger des dynamiques donc collectives. Et l'idée, c'est que grâce à cette innovation en matière d'aménagement autour des sports de nature, on passe de la ressource initiale, hein, qui est aujourd'hui là, le patrimoine, les lacs, les forêts, les gaves, les montagnes, à la ressource construite à travers la station, qui devient de facto une ressource territoriale dans la mesure où elle va être vraiment attractive pour les touristes. Voilà rapidement un exemple. Très rapidement. Comment on peut lier sport de nature, développement touristique sur voilà. Un territoire. Et l'exemple, concret, un cas concret, effectivement, dans la voilà. Vallée, dans la vallée d'Aspe, comment tout ça s'est mis en. Sachant que c'est le maillage. C'est un cas concret aujourd'hui qui reste pas, qui n'est pas encore mis en application. Ouais, ouais. Il y a tous les éléments, mais ça a un coût et. Bien sûr. Voilà, et c'est les acteurs n'ont pas décidé d'appuyer sur. D'appuyer le bouton. Sur le bouton. Tout est prêt. Parce que souvent, c'est ce qui manque. C'est la dernière clé. Hein. C'est le dernier tour de clé. C'est une vraie réflexion, en tout cas. Vous avez une question ou pour nos différents intervenants ? Oui ? Donc, effectivement, c'est très intéressant en termes d'études et en termes de chiffrage. L'ensemble, parce qu'on a vu quand même un certain nombre d'étapes, vous les avez hiérarchisés, c'est une après l'autre, planifiée, ou c'est un projet pluriannuel, ou c'est global ? Alors, on avait effectivement... Ça va ? 1, 2, c'est bon ? Oui, on avait... là, je vous ai présenté juste la réflexion et le travail sur le concept. Hein. Après, on avait effectivement réfléchi à un budget, à un plan de communication. Au niveau du budget, avec l'aménagement du pôle... Du pôle central avec cette maison du tourisme et des sports de nature, avec il y avait aussi l'idée de mettre, comme il n'y a pas de piscine dans cette vallée, mettre quand même l'idée de construire une petite piscine pour avoir un point d'eau attractif l'été. On était à peu près à un million d'euros, quoi. Ouais, un million d'euros pour l'ensemble. Voilà. Il faut rajouter un univers trail. Oui, il a été oublié. Il a été oublié dans le budget. Ouais. Non, mais j'ai pas développé, mais tous les sports de nature de la vallée sont concernés, la rando, le trail, le parapente, sûr, ouais, voilà. Le VTT, c'est tout le bouquet de sports de nature qu'on retrouve en montagne, c'est voilà. Évident. Et la sécurisation, alors, ce que j'ai pas dit, dont parlait Francis aussi, c'est important du site. Ce que j'ai pas dit, c'est, dans que, la... c'est qu'avec ces acteurs-là, on avait été voir une des premières stations de trail en France à Saint-Pierre de Chartreux, chez Benoît Laval, en 2009, et quand on était revenu en vallée d'Aps, on s'était dit une station que du trail par rapport au bassin démographique, on n'est pas dans les Alpes, ça va drainer pas ces gens. Et donc le trail était un des éléments. On avait élargi à d'autres activités
Et aujourd'hui, comme la station ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme c'était les acteurs du trail qui avaient été les premiers à dire « faut qu'on fasse quelque chose », ils sont en train de se réaliser pour faire quelque chose tout seul. Donc, tu vois, c'est intéressant que tu le dises. De soulever cette problématique. Y a-t-il d'autres... Oui, monsieur. Là, on a parlé effectivement du coût. Est-ce que vous pensez, suite à vos recherches, que ce concept soit modélisable? Alors, il est tout à fait modélisable. J'essaie de vous montrer les tenants et les aboutissants de la modélisation, mais en même temps, il est singulier et pas transférable à n'importe quel autre territoire. C'est comme tout projet de territoire, tout aménagement, il faut après le colorier, lui mettre le parfum et la saveur qui est propre à chaque territoire. Mais dans la façon de le penser... Dans la mise en place, dans les réflexes de conception, voilà, on va dire. Voilà. Hein. Dans la façon de le penser, dans le management de projet qu'on met en place, dans la façon après de le mettre en musique, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont transférables, par contre. Mais pour y avoir réfléchi, par exemple, sur La Réunion, j'avais été... travailler aussi sur La Réunion. Je crois que voilà, on est sur une île tellement particulière que le travail de la Vallée d'Aspe ne va pas s'appliquer à La Réunion. Mais après, c'est qu'un travail d'adaptation. Si on est convaincu du concept et si on est convaincu de la démarche, je pense qu'on peut effectivement aller de l'avant en prenant en compte la singularité du territoire sur lequel on va travailler. C'est comme tout modèle. Hein, et il n'est jamais totalement transférable. Dernière question, peut-être. Ouais. Ça, après, c'est à discuter. Nous, c'est très simple. C'est le conseil départemental du 64 qui a dit, voilà, la Vallée d'Aspe, c'est un territoire qui se meurt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à mettre la tête hors de l'eau? Voilà, ils font appel au laboratoire que je dirige à l'Université de Pau. On travaille sur sport de nature et développement touristique. Moi, j'ai dit, on va bosser pendant 3 ans sur un concept pour essayer d'amener de la plus-value à cette vallée et la faire sortir un petit peu de sa misère. Quoi. C'est tellement beau, la Vallée d'Aspe. C'est vrai qu'il y a toutes ces initiatives qui... si on peut... Je pense que si on peut aider à ce que ça... Comme l'a montré... Mon collègue, il y a une vraie demande, il y a une vraie structuration aujourd'hui. Dans des territoires qui s'y prêtent, en l'occurrence. Voilà. En plus, c'est ça, quoi. Il y a un potentiel énorme. Et Là où ça ne s'y prête pas, il y a quand même une demande. Il faut arriver à inventer un certain nombre de réponses. Une double demande. Si je peux me permettre, je rajouterais bien quelque chose en regard de la question qui a été posée. Quelle que soit la réponse... Je pense qu'il suffit de croire à l'intelligence humaine pour être capable de produire la réponse qui sera la plus adaptée. Encore faut-il avoir à l'origine le bon diagnostic. Donc, comme tu l'as rappelé, encore faut-il s'entendre et avoir une vision objective, honnête, sur ce qui se passe vraiment. Alors, ce qui se passe en termes de consommation, ce qui se passe en termes d'offres, c'est-à-dire que quelle est la qualité de ce qui est déjà produit à l'origine, quel est le potentiel avant d'attaquer quoi que ce soit. Parce que la difficulté, c'est qu'il faut échapper à la solution qui consistera à construire la réponse qui va tenir 2 ans, 5 ans, parce qu'elle n'est pas, pas solidement ancrée. Alors, l'idée n'est pas de dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose qui est absolument intemporel et figé, puisque par nature, ça ne marchera pas. Les demandes évoluent. Il y a rapidement. Un certain nombre d'activités qu'on ne connaît pas. Donc, l'idée, ce n'est pas de figer les choses dans le temps. Par contre, c'est au moins d'avoir une vision suffisamment honnête et claire au début pour limiter le risque des mauvais choix qu'on pourrait faire. Ouais. Donc, orientons-nous vers les bons choix sur la base d'un état des lieux qui est partagé. Un bon diagnostic qui nous permettra derrière d'avoir une action effective. Le problème, c'est que si on n'a pas le bon diagnostic, on risque de ne pas prendre la bonne décision. Et si en plus on sent que la décision n'est pas bonne, on n'ira pas au bout de la démarche. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas allés au bout de la démarche parce que la décision n'était pas bonne. Mais en tout état de cause, c'est d'autant plus facile d'aller au bout qu'on est serein sur le fait de ne pas se tromper. Donc un bon diagnostic, à mon avis, me semble être le préalable à n'importe quelle décision. Et le diagnostic qui soit fait... entre experts en faisant appel à un tiers, la question elle n'est pas là, c'est soyons sûrs de ne pas se tromper et que ça dure, les premiers éléments du choix quoi. Juste pour compléter effectivement l'idée d'un diagnostic partagé par l'ensemble des acteurs, ça c'est primordial et pas se planter sur le diagnostic qui est trop souvent escamoté, c'est-à-dire qu'on amène un modèle, on amène une solution par le haut et il n'est pas la résultante d'un vrai diagnostic, d'une vraie analyse du territoire. Ça, c'est la première chose. Et après, sur le fait que ce projet n'est pas complètement abouti, il y a des facteurs exogènes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les territoires, ils sont en transition parce qu'ils sont aussi en recomposition touristique. On a travaillé à l'époque où c'était une communauté de communes, la CCVA qui était propre à la vallée. La loi NOTRe, recomposition, la CCVA rentre dans 4 communautés de communes qui deviennent une grande communauté de communes et ça ne devient plus une priorité. Voilà. Après, c'est des choix, des arbitrages politiques. Hein, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage des préférences. On préfère mettre l'argent ailleurs. Mmh. C'est le politique qui décide. C'est lui qui est au cœur de la décision. Bon, on espère en tous les cas qu'on va pouvoir appuyer sur le bon bouton dans votre projet et d'assurer ces diagnostics. Merci beaucoup en tous les cas pour la pertinence de vos présentations et pour ces différents points de vue. L'atelier, évidemment, Francis du ministère dans son développement sur sport et nature, et puis Olivier également pour cette belle idée de redynamiser hein, cette vallée d'Aspe qui en a bien besoin, parce qu'au regard de la beauté du site, hein, on aimerait tellement qu'il y ait plus de monde et plus de choses qui se trament autour de ça. Merci à vous hein, d'avoir participé à cette table ronde.